Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, en l'occurrence Tomb Raider, qui est sorti en mars 2013, il y a bientôt 2 ans. Il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Et donc c'est un reboot, c'est-à-dire qu'ils ont repris carrément la série à l'origine et ils nous expliquent un peu, ça va permettre de savoir comment Lara Croft est devenue Lara Croft. C'est développé par Square Enix et édité par Crystal Dynamics. Donc on va regarder ça. Donc j'ai laissé volontairement la cinématique de début puisque le jeu commence directement comme ça. Et là on doit se balancer pour espérer sortir de là-dedans. Donc on était à bord d'un bateau qui a fait naufrage apparemment. Ah voilà, donc là en faisant ça, on a mis le feu au truc. Donc c'est des énigmes hein, pour ceux qui connaissent Lara Croft, les jeux Lara Croft c'est souvent ça. Alors là ça a mis le feu à côté, ok. Donc là on a été fait prisonnière par je ne sais qui. Allez on va essayer de foutre le feu. Yes.
Aïe aïe aïe. Ça commence mal. Ça commence mal, elle est mal en point déjà. Alors, E pour tirer. Oh la guerrière. Donc, graphiquement, c'était un jeu qui était quand même super beau à sa sortie là en 2013. Et là, pour l'instant, c'est toujours aussi, aussi joli. Ça tourne à fond, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas trop où on nous a emmené là, espèce de grotte bizarre, décorée de manière particulière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, E pour ramasser, c'est quoi? La torche. Une torche. Bon, on est déjà blessé, ça commence mal. Alors, on peut foutre le feu à ça. On progresse. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Il a dû m'entendre. Ok. La torche s'éteint. Hop, pour examiner votre environnement. Il y a ça, il y a le tonneau. Ouais, ok. Pour l'instant, c'est pas trop dur. Enflammé. Donc, ça nous a libéré un passage. Oula. Éternuer rapidement, ok. Donc ça, c'est les QTE classiques dans ce genre de jeu. Donc lui, apparemment, il nous voulait du mal. On se casse. Faut qu'on sorte de là-dedans. Trouver une sortie, ok. Ça c'est encore éteint. Balise d'objectif, appuyez sur A pour mettre les balises d'objectif en surbrillance. Ah ok, ça c'est l'objectif. Okay. Qu'avons-nous? Du feu. Mais qu'est-ce que c'est cet engin? Ok, on va enflammer ça. Celui-là aussi. Ça fait monter la caisse. Ah, ça fait descendre un barrage, d'accord. Donc là, il y a tout qui va là-dedans. Ça monte. C'est relié à quoi? C'est relié à la caisse là. Donc si je monte. Si je monte, normalement, ça va. Ah! J'ai vu un truc. Non. Si. Ah. Est-ce que ça se barre? Apparemment non. Apparemment non. Donc on va essayer, on va aller en haut. Quoi là? Ah, c'est le toboggan derrière, c'est le truc pour... Ouais. Mais il n'y a rien dedans, très bien. Ça fait ça, ça descend ou pas? Yes! Ah ok, ouais, ça charge ça et après on pousse pour que ça descende dans l'objectif. On va d'accord. D'accord, d'accord. Alors... Je me barre. Je descends là-dedans.
L'ambiance est très sympa. Hein. Ça fait penser un peu à Uncharted, tout ça, mais bon. Jeu d'aventure oblige. Et on pousse ça, et ça va nous péter le l'objectif, la balise d'objectif. Très bien. Ça nous ouvre un passage. On a gagné de l'XP, ça c'est bon. On poursuit. Oula, ça devient. Ça devient n'importe quoi. On peut pas par là. Ah, la sortie peut-être. Ok. Ne voulez pas qu'on sorte. C'est vraiment pas mal fait. Hein. C'est bien dynamique. Tout en action comme ça, ça j'aime bien. Hop. C'est un peu tendu. Ah, leur vol, le lourd. F. Bim. Oh, il s'est fait éclater la tête. Ça, c'est bon. On y va. Oh, pourquoi ça se rétrécit comme ça? C'est chaud. Prends la torche. Oh là 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 là. Encore un QTE. Ah, ok, faut aller esquiver. C'est encore un passage QTE. Ok. Est-ce qu'on peut sortir en fait? S'il vous plaît. Il nous est arrivé trop de choses bizarres. Ok, on a réussi à sortir. Enfin la lumière du jour, parce qu'on était dans cette grotte depuis tout à l'heure. Et elle a déjà bien morflé dès le début. Les cheveux sont pas trop mal faits. Je sais pas si c'est la, c'est l'option de Nvidia 13 FX à l'époque. Des choses similaires qui se font sur, sur The Witcher, etc. À l'époque, c'était un des trucs qui avait marqué un peu. La qualité à ce niveau-là, des cheveux, de tout ça, des animations, de la peau, il y avait eu un gros travail sur, sur la peau du personnage. C'est vraiment pas mal. Graphiquement, oh, il y a un canot. Là, il y a un avion, et il y en a du bordel hein, sur cette île. Il y a du monde qui s'est échoué. Espérons qu'ils n'ont pas connu le même sort que nous. Savoir être ligoté la tête en bas. Alors, on est toujours blessé. Ah bah c'est le canot, le fameux canot. Chercher les traces d'autres survivants. Très bien. Donc la, la direction artistique sur ce jeu était vraiment pas mal. Ok. Doucement. Il a pas trop vieilli apparemment graphiquement, il est encore pas mal. On y va. Est-ce que je peux jouer? Ok. On va peut-être pas se casser la gueule. Ça me paraît un peu haut. Allez, on peut le faire. Yes. Allez, à l'agonie déjà. Comment on va s'en sortir? Yes. Ça passe. C'est un peu, c'est du couloir hein, de toute façon là, on peut pas aller ailleurs. Okay. Il nous montre un peu ce qu'on peut faire. Là, on voit bien qu'il faut passer par l'avion pour aller en face. Mais... Je peux y arriver. Je peux y arriver, très bien. On pourra gripper, très bien. Sauter. Yes. Voilà. Faire des morceaux. Et sur l'aile. Espace pour sauter, aller vers la droite. E. Ok, faut se rattraper avec E à chaque fois quoi. Enfin à chaque fois qu'il y a un truc important. Laissez passer.
nous avons réussi. Alors. Ok, on a regagné encore un peu d'XP, 100, c'est pas mal. On verra par la suite à quoi ça sert, sûrement à débloquer des choses. Faut pas qu'on tombe. Escalader un mur, espace en plein saut. Ah, pas mal. Bien fait le didacticiel comme ça tout le long, c'est pas mal. Le sac de Sam. Donc ça, c'est un sac qui appartient à un de nos collègues. T'es à bord du bateau avec nous sûrement. Sûrement, s'il y a rares affaires. Donc voilà, Monik incarne actuellement sur la chaîne un autre héros, Batman. Donc je me devais de moi-même d'incarner un personnage emblématique. Et donc ça sera Lara Croft, hein, donc un peu plus de boobs dans cette série. Émetteur-récepteur, nouvel équipement acquis. Suivez les traces des survivants. Ouf, on a eu chaud. Non, elle voulait pas s'accrocher là par contre. Wow. Forêt littorale. Ok. Abritez-vous. Ouh, il y a un truc là dans l'arbre. Nous ne sommes pas seuls. Un abri. Elle a froid apparemment, elle tremble bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Une seule allumette, faut pas se louper. Nickel, le feu a pris. Elle est pas bien quand même. Capte quelque chose. Non. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie. Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Donc là on voit toute l'équipe, différents collègues qui étaient à bord de du bateau. De Sam. Moi aussi je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire, et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est, tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross.
Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous. Elle va aller vers l'est et lui vers l'ouest. Navire, Dr. Whitman, c'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes ça sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Elle s'en veut sûrement. C'est elle qui les a menés là-dedans. Mais bon, du coup, on va peut-être trouver ce qu'on cherchait. Je peux pas rester là, rien faire. Seul face à la nature, chercher de la nourriture. Quelque chose à manger. Nouveau camp découvert, crête abritée. D'accord. Et donc ça, normalement, c'est un point de sauvegarde. Donc voilà, donc première partie de ce let's play sur Tomb Raider. On a déjà fait un petit, à peu près l'intro quoi, en gros hein. Il nous reste encore quelques tutoriels je pense au niveau des armes tout ça, mais bon, on a déjà posé l'histoire et donc ça fait plaisir. Jeu assez sympa visuellement, donc on va poursuivre avec d'autres épisodes là dessus donc fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur ce jeu ou sur un autre hein, parce qu'il y aura d'autres jeux entre temps. Donc voilà. Donc, à la prochaine.